Bonjour, donc là je suis revenu au musée le lendemain et là j'en suis à regarder des poteries anciennes, genre poteries grecques. Et donc tout ça a été fait il y a 1500 à 1600 ans. C'est pas trop mal. Vu comment ça peut être long, ne serait-ce qu'une seule journée, 1500 ans c'est pas trop mal. Voilà, ça a été fait en l'an 400. Avant Jésus-Christ, bien sûr, pardon, donc ça fait 2400 ans, voilà quoi. Donc c'est surtout des vases pour contenir de l'huile ou de l'encens. Voilà. Je trouve ça pas mal. Ça a été fait 500 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Pas trop mal. Ça, c'est la déesse Nike, la déesse de la victoire. Et oui, parce que Nike, en fait, ça vient de mythologie grecque. Alors celui-là, c'est un vase qui décrit des satyres. Alors les nanas, c'est des maénades, donc je ne sais pas le nom français. Et donc en fait, c'est des gens qui dévouaient leur vie à Dionysos. Et donc ils passaient leur vie à danser. Et à boire en l'honneur du dieu. Là, on a un centaure. 2600 ans, 2500 ans. Je trouve que c'est pas trop mal conservé. On a une scène. Ça vous rappelez un film qui est sorti récemment. Voilà. Je sais pas moi. Moi j'aime bien. C'est pas mal comme ça. Alors la tête bizarre là, parce qu'en fait ils disent que c'est parce qu'ils portent un masque. Parce que les théâtres étaient très populaires dans le sud, comme par hasard. Donc c'est une scène de théâtre. Voilà, c'est tout. C'est marrant quoi, c'est une petite partie de l'histoire. C'est bien conservé. Voilà. Bon, mais je vais vous laisser, hein. Il y en a encore. Il y en a encore. Bon.